Et bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo de dessin, comme d'habitude. On va faire des crânes. Alors, pourquoi des crânes? Au-delà du fait que j'apprécie particulièrement les crânes et que c'est un sujet très très agréable à dessiner, c'est aussi très pratique de connaître la structure des visages. Alors, au-delà des muscles, la base, c'est les crânes. Donc, apprendre à faire le crâne, c'est aussi apprendre à faire la structure des visages. Vous trouverez plein d'images sur Internet, assez simplement. Donc, faites simplement de la copie. Il faut savoir que tous les crânes ne sont pas les mêmes. Faites attention que qu'on soit noir, blanc ou chinois, les crânes ne sont pas exactement pareils. Donc, pareil sur regardez sur Internet, trouvez la différence entre les différents crânes. Et ça va vous permettre aussi de connaître les différences qu'il y a entre les différents visages. Moi, je commencerai par faire juste les contours. Ça sert à rien de commencer par faire toutes les ombres, tout ça à l'intérieur. Faites juste les contours, ça va vous permettre de vous donner une bonne notion de où sont les formes, quelles sont les formes importantes dans le visage. Voilà, vous prenez des crânes de face, de profil, de trois quarts. Et vous copiez juste les contours, c'est très utile, je trouve. Utilisez aussi différents matériaux. Ça, c'est pour le dessin en général. Utilisez des stylos, utilisez tout ce que vous avez sous la main. Des fusains, des crayons de couleur, tout ça. C'est très utile d'utiliser différents matériaux parce qu'on a une différente approche. Du dessin, et donc on voit d'autres choses, et c'est très pratique. On va finir cette vidéo d'ailleurs par un dessin au pastel très très rapide, hein. Comme à chaque fois dans les vidéos, c'est vrai que je vous fais pas des choses qui sont particulièrement jolies, mais c'est pour axer principalement tout sur la compréhension. Si vous avez envie de voir ce que je fais, vous allez sur mon Facebook, mon DeviantArt, vous voyez que c'est pas représentatif les vidéos. De la qualité de ce que je fais en général, c'est juste pour que ce soit le plus compréhensible possible et le plus accessible. Je veux pas que vous regardiez la vidéo et qu'à la fin vous vous disiez, ouah, le dessin est super, mais qu'arrivé à la fin de la vidéo, finalement, ça vous a pas donné envie, vous, de progresser. Donc voilà, c'est pour ça que je reste toujours sur des basiques et vraiment des choses au plus simple. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les visages. Alors autour des crânes, je vais prendre une autre couleur. Donc ça va vous montrer directement l'utilité de faire des crânes. Une fois qu'on a fait un crâne, on passe autour de notre visage et on voit directement s'appliquer les formes du crâne sur le visage. Donc on voit que c'est vraiment très utile de faire des crânes parce que ça vous montre directement les formes du visage. Et en ayant fait plusieurs crânes, en ayant dessiné de différentes manières, de différentes vues, vous allez pouvoir vous rendre compte des erreurs que vous faisiez avant en dessinant des visages et autres. Moi, ce que je vous conseille aussi, après avoir dessiné plusieurs crânes de différentes façons, apprenez aussi à faire du placement de muscles dessus. Donc vous prenez un écorché et vous placez vos muscles sur vos crânes. C'est toujours très pratique. Alors voilà, là on place la bouche tout simplement. Servez-vous d'images, servez-vous de modèles, c'est très pratique. On peut pas se mettre à dessiner un crâne ou un visage sans connaître ou sans avoir d'avance déjà dessiné ce genre de choses, ou sinon tout ce que vous allez placer va être mal placé. Donc servez-vous de modèles. Et encore une fois, il y en a plein sur Internet. Vous tapez écorché, vous tapez crâne, vous tapez squelette. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et ça va vous permettre de vous entraîner. Donc voilà. On a placé tous les éléments du visage. Et on voit que le crâne en dessous nous est d'une grande aide pour pas mal de formes. Je vais continuer donc avec le dessin au pastel. Pour ce qui est du crâne, à partir du moment où vous avez envie de dessiner, au-delà de juste l'apprentissage des crânes, d'avoir envie de dessiner un crâne en lui-même,
Servez-vous d'une image couleur ou d'une image noir et blanc, bien sûr, si vous dessinez en couleur ou en noir et blanc. Et essayez de trouver les zones d'ombre. Essayez de trouver où vont se projeter vos lumières. J'ai fait une autre vidéo sur les ombres et les lumières. Regardez, servez-vous des lumières, jouez avec les lumières, mettez-en plus d'un côté, moins de l'autre. Jouer avec les couleurs aussi, c'est très intéressant d'utiliser des fois des couleurs auxquelles on s'attend pas pour un éclairage, là où on va placer souvent du jaune pour une lumière, comme je vais le faire sur ce dessin, ou du noir pour les ombres. Faites l'inverse, essayez l'inverse, c'est très intéressant. Voilà, plein de choses. Comme d'habitude, le dessin, c'est surtout de la pratique, de l'entraînement et de l'envie de découvrir. Donc surtout, découvrez des choses. Et faites-vous plaisir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, le but c'est de vous mettre à dessiner et pas simplement de regarder ce que je fais. Je ferai d'autres vidéos peut-être qui seront simplement des vidéos de ce que je fais en dessin, tout ça, qui seront peut-être plus jolies à regarder, mais qui auront forcément moins d'intérêt pour les gens qui ont envie de se mettre à dessiner et ce sera juste, disons, pour le plaisir des yeux. Pour cette vidéo, c'est fini. Je vous laisse avec la fin du dessin. J'espère que ça vous aura plu et si vous avez quoi que ce soit à me demander, vous avez juste à poster un commentaire. Sur ce, bon courage à vous et surtout, entraînez-vous. Ciao.